Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation du manga Resident Evil. Donc du coup le manga Resident Evil est un manga terminé en 5 tomes des éditions Kurokawa. Donc officiellement ce manga est un shonen mais Kurokawa a décidé du coup de le classer en tant que seinen. Nous sommes dans le genre action et fantastique. La série date de 2012 au Japon et de juin 2012 en France pour son premier tome. La série est HKCO 12 ans et plus, donc comme ça tout ça c'est facile à retenir. Et en ce qui concerne du coup le manga, le scénario est de Capcom. Et nous sommes avec le dessin de Cherizawa Naoki. Donc du coup c'est parti, en ce qui concerne du coup le résumé, je te le rappelle au cas où, mais tout simplement dans la barre d'infos, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je vais te l'afficher. Donc on est, donc il y a bof, j'aime bien mais sans plus, j'adore, coup de cœur et méga coup de cœur. On est en fait juste après le j'adore, on a passé la ligne d'arrivée pour aller au coup de cœur, mais c'est tout. On est sur un coup de cœur, le petit coup de cœur basique. On est quand même très proche de mettre un pied en recul pour aller sur le j'adore. Mais voilà, on est quand même sur une qualité dessin plutôt imposante. Mais en même temps, je pense que Capcom a bien réfléchi à son dessinateur pour faire ses mangas. En ce qui concerne du coup mon avis sur la série, je vais avoir pas mal de mal à mon avis à m'exprimer. Et peut-être faire quelques blocages. Je m'explique tout simplement quand c'est un manga qui est assez connu, qui a ses tendances, ou les gens connaissent plutôt pas mal. J'ai un peu plus de mal à donner mon avis sur une série comme ça. Tout simplement parce que je sais que beaucoup de gens ont un avis et que j'ai toujours peur en fait de dire quelque chose qui ne va pas plaire à une personne et m'en prendre plein la gueule par tout ce qu'on considère comme des trolls, principalement. Donc forcément c'est un petit peu plus compliqué pour moi. J'ai quand même tenté parce que j'avais envie de lire ce manga et que du coup... J'avais aussi envie de te donner mon avis parce que justement il n'y en a pas pour l'instant sur internet, j'en ai pas vu. Et puis je ne suis pas du genre à regarder les blogs ou à regarder les vieux trucs. Et puis après les youtubeurs présentent que les séries qui sont actuellement en cours et présentent très peu de séries déjà terminées depuis quelques temps. Donc voilà. En ce qui concerne du coup Resident Evil, la licence, pas le manga. Là on va d'abord parler de la licence. Je tiens à admettre que je ne suis pas le méga fan de Resident Evil qui a vu tous les films, qui a vu tout, etc. Tout simplement parce que, on va dire les choses clairement, je suis une lopette. Donc du coup, en fait, si tu veux, il faut savoir que les films humains avec des zombies, je suis une vraie lopette et je ne peux pas. C'est-à-dire que j'ai essayé il y a quelques années de ça, en 2012... Ouais, ça devait être en 2012, je pense début 2012. J'ai essayé de regarder le premier film de Resident Evil. Malheureusement, en fait, on aperçoit des zombies, mais en mode ils sont bloqués ou je sais plus quoi. Et à un moment donné, les zombies sont plus bloqués, bien entendu. Et c'est à partir de là, en fait, j'ai tenu 2 minutes, je crois, de film où les zombies sont débloqués et je peux pas. Je peux pas, je suis une vraie lopette par rapport à ça. J'ai vraiment peur. Des zombies, quand c'est comme ça. J'ai regardé les deux, si je ne me trompe pas, il n'y en a que deux films dessins animés, enfin films d'animation, tout ça. Ça, je peux. Voilà. J'ai joué à certains jeux Resident Evil. Le 5, le 6 et un des numéros d'avant. Donc ça aussi, c'est faisable. Mais en ce qui concerne les films humains, je suis vraiment une trop grosse lopette, je ne peux pas. Donc, certes, je connais plus ou moins l'univers Resident Evil. Parce que quand j'ai joué aux jeux vidéo, c'était aussi avec mon ex. Et mon ex, c'était un accro à Resident Evil. Il a vu tous les films, il connaissait tous les détails, il pouvait tout m'expliquer. Donc en fait, même si je n'ai pas vu les films, il m'a fait un gros débrief de chaque film. Il m'a fait un gros résumé, tout ça bien détaillé de chaque film. Après maintenant, je ne m'en rappelle plus parce que ça date un petit peu. Mais toujours est-il que voilà, j'ai quand même quelques... connaissance. Je suis pas non plus le petit noobie qui se dit oh Resident Evil, je n'ai jamais vu les films parce que voilà, parce que je sais très bien que je suis une lopette, j'ai pas regardé les films d'animation, je vais commencer par le manga parce que bah, j'aime les mangas. Non, j'ai quand même quelques connaissances là-dedans et voilà, honnêtement, donc je tiens à le placer quand même. En ce qui concerne le manga, je te dirais que l'histoire est plutôt sympa, mais après, moi il faut savoir du coup que je ne suis pas le gros accro, tout ça qui connaît tout par cœur.
Il y a plein de choses du coup que j'ai oubliées parce que ça date de 2012, début 2013, et c'est tout. Et depuis, je ne me suis pas redocumentée sur Resident Evil, je ne me suis pas réintéressée à Resident Evil, etc., etc. Donc il faut le savoir. Donc on peut considérer plus ou moins que je suis newbie par rapport à Resident Evil en lisant le manga. Parce que, bien entendu, j'ai quelques bases, mais c'est tout. Donc, par exemple, là, on parlait forcément du virus T. Je savais ce que c'était que le virus T. Parce que j'ai quelques connaissances dans Resident Evil. Donc, voilà. Et donc, du coup, en ce qui concerne le manga, il est plutôt pas mal. Il est sympa, assez mouvementé, mais quand même très facile pour découvrir, en fait, qu'est-ce qui va se passer dedans. Bien que c'est plutôt quand même original, le choix est plutôt bien fait. Ça fait pas mal réfléchir sur la façon d'agir d'un des personnages. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Donc du coup, en ce qui concerne mon avis sur l'ensemble du coup de la série, je te dirais tout simplement qu'on est sur un j'adore. Certaines personnes, beaucoup, je tiens à préciser sur le beaucoup, m'ont dit que pour eux c'était un flop mémorable, que c'était une merde, que ça méritait pas d'exister, que si, que là. Ben moi personnellement, j'ai pas trouvé. Et pour moi du coup, la version manga est intéressante pour moi parce que je sais que je peux lire un manga de zombies même si l'image peut être très très gore. Ça, je sais très bien que j'en suis capable, mais regarder les films images, j'en suis pas capable. Donc du coup, pour moi, c'est plus ou moins une alternative. Donc pour moi, ce n'est pas dérangeant et personnellement, je n'ai pas compris ce qu'on lui reprochait pour que ça soit un méga flop, le truc qui mérite pas d'exister, etc. Voilà. Donc je n'irai pas plus loin parce que je ne pourrai pas, je ne suis pas suffisamment dans l'univers de Resident Evil pour pouvoir mieux développer en ce qui concerne mon avis. Mais personnellement, je ne vois pas du tout ce qu'on lui reproche. Je le trouve plutôt sympa. Et voilà. Donc personnellement, je t'avouerai quand même que le jour où je filme, je l'ai mise en vente. Parce que tout simplement, je n'ai pas forcément envie de le garder. Je suis contente de l'avoir lu. Je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Mais je pense, enfin je l'ai revendu tout simplement parce que je me dis qu'en revendant ce manga, je vais avoir forcément un peu d'argent qui me permettra du coup d'acheter le deuxième manga qui est disponible en France et qui doit se terminer du coup, si je ne me trompe pas, dans la fin de l'année 2017. Donc du coup, en ce qui concerne mon avis sur les couvertures, je te dirais que dans l'ensemble, je les considère comme magnifiques, mais on n'est quand même que sur un j'adore. Pas le coup de cœur ni le méga coup de cœur, on est tout simplement sur un simple j'adore. Très grand j'adore, hein, on est près du coup de cœur, mais on n'y est pas du tout quand même. Hein. On n'a pas un pied entre les deux mondes, on n'est pas juste devant la frontière, on est proche de la ligne d'arrivée, mais pas encore. En ce qui concerne du coup l'illustration 1, la voici donc avec Chris. Donc ça, je trouve que pour le choix de la première illustration, c'est très vendeur parce que voilà, Chris est le personnage quand même, un des personnages clés de Resident Evil. Mais honnêtement, je le dis, ça se prouve pas grand chose, mais il n'est pas présent dans le premier tome. Voilà. Après, il apparaît. Mais pas tout de suite. Voilà. En ce qui concerne l'arrière, alors je vais agrandir l'image pour que tu puisses voir, enfin agrandir, voilà, développer l'image. Et surtout, voilà, le côté de jaquette, en fait, on a le même zombie, mais mis un peu plus en avant. Voilà. De ce côté, on a l'image, en fait, qui se poursuit aussi un petit peu, parce qu'on a le coude de Chris qui apparaît. Et du coup, le petit logo et le Resident Evil et le titre entier, voilà. Donc voilà pour le choix d'illustration numéro 1. En ce qui concerne du coup la couverture, à chaque fois, on va avoir la même illustration que la jaquette pour l'avant, mais pas pour l'arrière. À l'arrière, là, ce que j'ai énormément aimé, c'est qu'on nous a remis un petit récap des personnages clés de la série et leur nom complet. Alors ça, je trouve ça plutôt pas mal parce que, par exemple, moi, Chris, je sais le... Comment dire, si on mettait une liste des noms de famille des personnages de l'histoire, je sais te dire quel est le nom de famille de Chris. Elle reconnaît genre, tu sais, les flèches comme dans les exercices en cours. Mais le dire comme ça, sinon je ne serais pas capable de dire le nom de famille de Chris. Voilà, je connais Chris, mais je ne suis pas le méga fan, donc forcément je ne connais pas par cœur son nom de famille. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. À chaque fois qu'on commence le manga, je reste assez loin parce que forcément on commence directement l'aventure. Donc je te montre vite fait, tu vois qu'on a des pages en couleur, voilà. Mais je vais pas aller plus loin, là on a encore des pages en couleur. Je veux pas en fait tu vois le début parce que sinon voilà. Par contre je te montre cette sublime page d'accueil, je trouve ça juste divin. Et on commence directement le manga et là on continue du coup avec une page en couleur qui n'a rien à voir hein. C'est pas dans le manga, c'est une page en plus. Et on a le sommaire du coup. Donc on a la femme au manteau.
Donc, ce que j'ai bien aimé, c'était l'originalité pour la fin, tout simplement parce que voilà, il y a le petit détail qui change toute la donne et on a du coup les remerciements. Et j'ai aussi bien aimé de voir la pub du coup pour le jeu vidéo Resident Evil 6 auquel j'ai déjà joué parce que tout simplement il était sorti le 2 octobre 2012 et comme la série, le manga, le tome 1 en français est sorti en juin, je trouvais ça plutôt sympa qu'ils aient fait la petite pub dedans. En même temps, c'est quelqu'un qui a fait le manga donc bon. Mais je trouvais ça plutôt cool. En ce qui concerne du coup le tome 2, un choix d'illustration bien plus adapté je trouve. Voilà, parce que là, voilà, c'est le personnage clé. Donc ça ne se poursuit pas vraiment, mais bon, je vais quand même te montrer les illustrations. Voilà. En ce qui concerne le manga, à l'intérieur, donc du coup, même illustration. Et là, en fait, on a un zoom de l'image qu'on avait à l'arrière, mais en mieux du coup, ça permet de mieux voir. Parce que moi, il y a encore l'étiquette du prix de Easy Cash. En ce qui concerne du coup qu'on ouvre le manga, pareil, page en couleur avec le gros Resident Evil. Je vais te censurer du coup la page vraiment du manga et je te montre du coup l'illustration pour la page de chapitre. Donc à chaque fois c'est bleu comme la couverture, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. On continue du coup avec une troisième couverture avec encore Chris de présent. Voilà. À l'arrière on a aussi les personnages clés en fait de la série tout simplement. On a quoi sur les côtés? On va... je vais éviter de te montrer les côtés parce que sinon ça peut un petit peu spoiler ce qui se passe dans le manga. Donc on va éviter. Donc là, je te remonte l'illustration parce que peut-être qu'on voit mieux que tout à l'heure sur le fond. Donc à chaque fois, on commence par une page en couleur et le sommaire. Donc je te montre pas parce que sinon vraiment ça spoil, donc je veux pas te montrer les pages en couleur. Mais au moins tu sais qu'il y a des pages en couleur, c'est déjà pas mal. En ce qui concerne du coup le tome 4, ça j'ai apprécié du coup qu'on change un petit peu et qu'on mettait pas Chris une fois de plus. On met un de ses partenaires, c'est pas plus mal, parce que lui aussi il est important dans les histoires. L'arrière je vais éviter de te le montrer parce que sinon là aussi ça va un petit peu spoiler. En ce qui concerne du coup là, et l'image arrière pareil je ne peux pas te la montrer parce qu'en fait c'est exactement la même qu'il y a là. Et sinon ça te révèle un petit peu ce qui se passe dedans. Donc là pareil, page en couleur et le sommaire, j'aime bien montrer moi les illustrations là, donc voilà. Et donc du coup on termine avec la dernière équipière du coup de Chris. Et là on peut montrer. Je monte l'image en violet, peut-être qu'on verra mieux, je sais pas. Hop. Et là, du coup, pareil, page en couleur, et le sommaire. Je vais pas te montrer l'image de sommaire parce que sinon, là aussi, ça te révèle un petit truc. La vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur quand même qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Pense surtout à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir de te compter parmi ma Pancha Family. N'oublie pas du coup de me mettre en commentaire si tu connaissais ce manga ou pas du tout, si tu envisageais de le lire ou absolument pas. Et si toi, tu as lu ce manga, n'hésite pas à nous donner ton avis. Et si du coup, si tu n'as pas aimé le manga, explique-nous au moins le pourquoi du comment. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt! N'oublie pas d'aller voir aussi les deux vidéos que je te mets juste à côté.